Bonsoir à tous, chers amis de l'autocross et du sprintcar, et bienvenue sur OFAC TV, la chaîne YouTube de l'OFAC pour cette émission Les Échos du Paddock, dixième émission que nous passons ensemble pour parler de cette passion commune dévorante, un petit peu entachée cette année par cette crise sanitaire, mais en tout cas ce soir on vous a promis un programme exceptionnel, la division Super Buggy, une catégorie historique, passionnante, et il me fallait quelqu'un d'expérimenté. Pour co-animer cette émission, j'ai la chance d'accueillir Patrick Moreau. Salut Patrick. Bonjour Florian, bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que ça va pour vous. Écoute, tout va bien ici, ça a l'air d'aller chez toi aussi Patrick. Donc on va parler ce soir des fameuses Formule 1 de la Terre, cette catégorie Super Buggy avec deux garçons là qu'on connaît bien sur les paddocks du championnat de France. Le premier d'entre eux n'est autre que le champion de France 2019 dans la catégorie Super Buggy, c'est Laurent Jacquier. Salut Laurent, bienvenue. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Et on accueille un autre pilote de cette division Super Buggy, un habitué de cette catégorie, celui qui remportait l'épreuve européenne comptant pour le championnat de France du côté de Saint-Georges-de-Montaigu, c'est François-Xavier Bivaud. Salut FX, bienvenue. Bonjour à tous. Allez voilà, on a tout notre petit monde. Bon, je vous dis pas qu'on n'a pas sué à quelques minutes de l'émission avant de prendre l'antenne, mais on a réussi à s'en sortir et encore une fois, grâce aux moyens techniques de Didier Rodrigue et de la société Mastermast, on va pouvoir passer les prochaines minutes ensemble pour parler de cette discipline et plus particulièrement de cette catégorie Super Buggy. Honneur au champion Laurent, champion de France 2019, une consécration quand on considère que la catégorie Super Buggy est celle qui fait rêver le plus grand nombre de pilotes. Ouais, effectivement, une belle saison. Bon, ça a été compliqué, mais on a réussi à aller au bout comme ça. On va revenir en détail tout à l'heure avec Patrick sur ta saison. François-Xavier, quant à toi, tu termines sixième de ce championnat 2019 dans la division Super Buggy avec une fin de saison en pause, hein, puisque je crois que tu avais loupé quelques derniers rendez-vous. Dans tous les cas, cette catégorie Super Buggy est fixe. Elle te fait rêver depuis que tu es gamin sur les bords du circuit. Ben ouais, c'est vrai que papa roulait avant en Super Buggy. Donc après le sprint car et la maxi tourisme, c'était un peu la suite logique. On va revenir là aussi sur ta saison et ton parcours, puisqu'on parle souvent de ces parcours 100% autocross et sprintcar avec la catégorie de promotion, la junior sprint. Tu en fais partie, mais Laurent est également un contre-exemple qu'on peut venir d'autres disciplines, faire autre chose et également y parvenir. Patrick, je te laisse, si tu veux bien, détailler avec Laurent sa saison 2019 et les différents succès qu'il a pu connaître. Oui, bien d'accord, pas de problème. Effectivement, Laurent, eh bien, écoute, vainqueur à Saint-Vincent, seule victoire dans cette saison 2019. Par contre, eh bien, Saint-Julien, elle, Bourges, Saint-Georges, une deuxième place, et puis une troisième place à Moron, donc quelques podiums quand même. Et puis, une lutte qui a été quand même relativement acharnée, hein, puisque il y a moins d'une vingtaine de points qui vous séparent de ton premier concurrent, à savoir notre ami Jimmy Murat. Oui, effectivement, c'était une saison très relevée. On peut voir que justement, il y a eu une seule victoire, beaucoup de podiums. Il y a énormément de pilotes. Je crois qu'il y a eu 9 manches de championnat de France, 9 vainqueurs différents. Donc, ça montre le niveau de cette catégorie. On peut saluer aussi la belle prestation cette saison de Jimmy, qui, je crois, n'a pas gagné de course, mais aurait vraiment mérité d'en remporter une. Ouais, et puis il faut dire quand même que nos pilotes européens sont venus chacun leur tour faire une petite pige donc sur le championnat de France. Hein. On a Johnny Feuillade qui gagne Falerins, on a Florent Tafani qui gagne Saint-Julien et Thomas Anacleto qui gagne Moron. Alors comme ça déjà, le niveau était tout de suite posé en début d'année. Ouais, c'est bien, ça nous met dans le bain et puis ça nous permet faut toujours aller vite. C'est des gens qui roulent très vite, ils viennent s'entraîner pour l'Europe et ça fait s'ils viennent rouler avec nous, ça veut dire que notre niveau est quand même pas si mauvais que ça. C'est clair. Et puis bon, le titre n'en est que plus beau quand on sait qu'on s'est battu contre des garçons qui ont un niveau comme celui-là.
Oui, non, mais c'est sûr. Après, voilà, maintenant, les manches du championnat de France sont très disputées dans toutes les catégories, comme on l'a vu cette saison. Maintenant, nous, en Super Buggy et en Buggy 1600, on a la chance d'avoir quelques pilotes européens qui viennent s'entraîner, qui viennent rouler avec nous. Ça étoffe un peu plus les plateaux et ça nous permet de nous tirer vers le haut encore plus. Ah, c'est clair que là, à ce niveau-là, ça a été quelquefois assez puissant. Florian, si tu Oui, continues. effectivement, c'est vrai que la confrontation avec ces pilotes européens, et ça, c'est le discours des grands champions que tient Laurent, c'est qu'effectivement, bah, c'est flatteur de pouvoir se confronter à eux. Il est hors de question de considérer qu'ils viennent là pour prendre des points. Au contraire, c'est un véritable honneur pour vous, pilotes, de pouvoir se confronter à ces garçons-là. Et puis, s'ils viennent, eh ben, c'est qu'ils sont bien dans ce championnat de France et qu'effectivement, c'est le championnat national qui a le meilleur niveau interne, je dirais, pour aller affronter l'Europe. Et c'est ça qui est important, hein, Laurent. Oui, effectivement, on le voit bien quand on les rencontre à Saint-Georges ou à Saint-Tilly, les Français du championnat de France, on arrive quand même à être dans les demi-finales et les phases finales. Il me semble qu'on était deux ou trois en finale à Saint-Georges du championnat de France et il y en avait deux à Saint-Tilly. Donc sur 10 places, c'est quand même correct par rapport au budget qu'ont les pilotes européens, comparé de nous, ça nous fait plaisir. Et puis c'est vrai, Patrick, tu citais hein, les garçons qui sont venus rouler cette année, hein, Thomas, Florent, Johnny, effectivement les habitués de ce championnat d'Europe, qui ne perdent pas de vue le championnat de France. Et c'est vrai que ça nous fait, nous, du côté organisateur et OFAC, je dirais vraiment plaisir de les recevoir à chaque fois. Et c'est vrai que ça offre un spectacle pour les spectateurs qui se massent toujours aussi nombreux sur les bords des circuits. Patrick, c'est toujours un grand moment, effectivement, quand... Alors, il y a quelques années, Et Patrick, puis, quand on avait un pilote européen, on était... Absolument dingue. C'est devenu un peu plus classique, je dirais maintenant, mais c'est quand même toujours autant de plaisir, hein. oui, il nous manque encore un titre en Super Buggy en championnat d'Europe. Hein. Le dernier, c'était Teddy Baudet. Et je dois dire que le niveau est tellement relevé en championnat d'Europe que là, ça devient vraiment très compliqué. Mais c'est toujours un grand moment d'avoir ces pilotes français qui font l'Europe. D'abord, d'une part, ce sont des grands communicants. On sait qu'à chaque fois, on se régale quand on va les interviewer. T'as pratiquement rien à faire, juste un petit peu poser quelques questions, essayer d'orienter un petit peu tout de suite. Ça marche, hein. Pour les trois, hein, ça marche, c'est clair. Hein. Et puis, quel niveau de pilotage. J'oublie pas non plus notre ami Olivier, hein, Olivier Dufour, qui a été lui aussi un des précurseurs dans cette division Buggy 1600. Hein. Effectivement, c'était un des premiers à être retourné au charbon Après. après les années Baudet, effectivement. On parlait du championnat d'Europe d'autocross, on parlait de la performance des Français au milieu de ces Européens. FX, vainqueur de l'épreuve de Saint-Georges-de-Montaigu, content pour le championnat de France. Remporter l'épreuve, content du championnat de France, content pour le championnat de France sur une épreuve du championnat d'Europe, ça vaut toutes les autres victoires sur les épreuves françaises. Ouais, c'est vrai. En plus, ça fait 2 années de suite que je remporte Saint-Georges-de-Montaigu en championnat de France. De toute façon, enfin, moi, je sais que quand je me présente à une épreuve européenne, pardon, c'est à 200%. On oublie un peu la carte du championnat de France et on essaye de se mesurer à eux. Ils n'ont pas les mêmes budgets, comme disait Laurent. Ils n'ont pas les mêmes mécaniques et on essaye de montrer notre niveau. Et comme le disait Laurent, bah, on y arrive très bien. Moi, je vois, j'ai fait 2 fois 5e à Saint-Georges-de-Montaigu. J'aurais même pu faire 4. Je me rappelle que Grentis avait éclaté le moteur en haut du circuit. Donc du coup, c'est à 200%, on réfléchit pas, c'est pédale de droite à fond et c'est ça qui est excellent. Et puis en plus, Saint-Georges-de-Montaigu, c'était jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois, l'épreuve à la maison FX, hein. Ouais, c'est vrai, c'était à 30 km de la maison. Après, j'oublie pas mes années vendéennes. J'y ai passé énormément de bon temps avec plein d'amis, notamment de l'autocross. Et ça reste pas très loin. Maintenant, c'est encore à 100 km. Super, on aura dans tous les cas l'occasion de se revoir sur ce circuit européen vendéen. C'est vrai que Saint-Georges-de-Montaigu FX, c'est un circuit que tu as connu toi depuis de nombreuses années, hein, même avant que ce. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion de rouler avant que ce soit l'Europe Ouais, en Carme? et ben Saint-Georges-de-Montaigu, ça a été ma toute première course en FFSA en 2007.
Normalement, ma première course, ça aurait dû être Cambon. On avait passé les techniques et ça avait été annulé à cause de la météo. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé mes premiers tours de roue en junior star, division 3 Sprint Car, avec un châssis PRM à Saint-Georges-de-Montaigu en championnat de France. Et je reviens, pardon, excuse-moi, j'étais en train de regarder le classement. Il y a aussi eu une victoire à Bourges, hein, sur ce tracé si spécifique et qui a changé un petit peu depuis, allez, c'est la deuxième année, je crois, maintenant qu'on a cette nouvelle courbe à l'arrivée. Courbe qui a fait beaucoup parler, mais qui t'a pas perturbé, toi, FX. Non, j'apprécie le tracé de Bourges. C'est vrai qu'en sprint car, il ne réussissait pas trop. Après, quand on est passé au modèle 4 roues motrices, ça allait un peu mieux. Et je crois que ce week-end-là, j'avais fait la pole et gagné les manches et la demi, je ne sais plus exactement. Mais c'est vrai que j'étais parti devant et puis bah, il suffisait de tenir le bon rythme avec Laurent et je ne sais plus qui était derrière, je ne me rappelle plus exactement. Mais Valérie. c'était voilà, Valérie Muneuf. Et du coup, bah ouais, c'était une belle victoire à Bourges chez nos amis du centre de la France. Ouais. Et fixe, on vient de parler des deux victoires cette saison. Il y a eu des hauts, il y a forcément eu des bas aussi. Tu as fait l'impasse sur la fin de saison parce qu'il y avait trop de dégâts sur la machine, trop de travaux à engager. Revenons sur le tout début de saison. Moron, rentrée des classes. Certains réussissent leur rentrée, toi un petit peu moins FX, si je peux me permettre. Je me permets de te le dire parce qu'on se connaît très très bien. Non, mais t'as entièrement raison. Moron, bah, en fait, l'année 2019, ça a été tout contraire à l'année 2018. 2018, j'étais un peu moins bien dans les manches. J'arrivais toujours à tirer mon épingle du jeu en demi-finale et finale. Alors que cette année, bah, j'étais toujours bien dans les manches et beaucoup moins bien en demi. Et effectivement, Moron, je casse une transmission en demi-finale. Et à Saint-Julien, je casse un moteur en finale. Donc, ça commençait pas très bien. Hein. Ça commençait pas très bien, et puis après est arrivé Saint-Vincent-des-Landes, l'épreuve à la maison, hein, parce que toi, on va dire, allez, pour les gens qui connaissent pas très bien notre région, tu es du côté de Saint-Nazaire, on va dire, tu es originaire de la région de Saint-Nazaire, donc Saint-Vincent-des-Landes, c'était à moins de 100 km de tes origines, et là, on t'a ressenti revenir dans le match, hein, parce que c'est une épreuve sur laquelle tu marques 33 points, on n'était pas très loin du podium. Ouais, Saint-Vincent, pareil, ça commençait encore très très mal. J'ai cassé un moteur encore aux essais chronométrés. Je suis revenu dans le match et j'ai dû faire une cinquième place, je crois. Oui, c'est ça, les points de la cinquième place, effectivement. Et puis après, donc, elle, cette épreuve du Sud, toujours aussi particulière, hein, c'est un des grands déplacements pour toi aussi, qui est originaire de l'Ouest de la France. Oui, ça fait un peu de kilomètres. Je crois qu'on n'est pas loin de 1 200 km. C'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça s'est très bien passé jusqu'en finale, au premier virage, où bah, un fait de course m'envoie dans le talus, impossible de repartir, train avant posé par terre. Donc bon, bah voilà, c'est le jeu. Après, on s'est bien ressaisi à Bourges. On a pu, c'est ça, ressaisir à Bourges et puis remettre les pendules à l'heure. Heidi, Saint-Georges-de-Montaigu, Is-sur-Tille ensuite, au cœur de l'été. Ouais, au cœur de l'été, j'ai toujours aimé ce rendez-vous-là. C'est une superbe organisation. Et à Is-sur-Tille, j'ai toujours eu un peu de mal à trouver mes marques avec le dénivelé, le revêtement qui est relativement compliqué. Et je crois qu'en finale, j'ai dû taper le mur du premier virage. En toute honnêteté, c'est de ma faute. Et du coup, il y avait un peu de dégâts, mais on avait réussi à réparer pour Steinbourg, c'était un grand déplacement, mais là, on a fait le voyage ensemble et c'était bien plus confort. On y est allé en avion, effectivement. Steinbourg, là, alors, on va aussi faire le lien avec ton rôle FX au sein de l'OFAC, hein, parce que tu fais partie du bureau de l'OFAC qui regroupe tous les organisateurs du championnat de France. Et Steinbourg, bah, c'est le petit dernier du calendrier chez nos amis de la famille Stark. Donc, c'est un rendez-vous important dans cette saison. Ouais, c'est sûr, Jérémy et toute son équipe ont bien travaillé. Je pense que Laurent pourra le confirmer. L'an dernier, quand on a mis nos pieds pour la première épreuve là-bas, franchement, l'organisation était vraiment exceptionnelle. Ils n'avaient rien à envier aux épreuves qui sont déjà sur le championnat depuis une dizaine d'années, voire plus. Félicitations à eux qui continuent sur cette lancée. Et c'est vrai que bah, le circuit est sympathique, il est assez atypique, technique, rapide, à la fois lent dans la partie du bout. Donc c'est vrai que ça diversifie notre championnat et quand on parle des championnats de France, bah, faut aller aux quatre coins de la France, quoi.
faut aller aux quatre coins de la France, effectivement. Alors malheureusement, bah, cette épreuve ne t'a pas réussi. Puis il y a eu trop de dégâts engagés. Tu m'avais dit que c'était très compliqué pour vous de pouvoir repartir sur la fin de saison. Donc on ne t'avait pas retrouvé sur les deux dernières épreuves, ce qui explique hein, qu'on te trouve à la sixième place du classement général de ce championnat de France 2019, puisque tu avais largement ta place dans le top 3. Et je crois que avec Laurent, Jérôme et Germain, vous faisiez partie des favoris pour le titre, hein, clairement. De toute façon, c'est logique, oui, parce que si tu reprends le classement de l'année dernière, je crois que c'est Jérôme 1, moi 2, Germain 3 et Laurent 4. Donc forcément, le top 5 vise le championnat, vise le titre l'année d'après. Voilà, moi cette année, ça m'a pas souri. C'est comme ça, ça fait partie du jeu, mais on repartira encore mieux en 2021. On repartira encore mieux en 2021. On vient de citer les top pilotes de la saison 2018. Et pour rejoindre ce que disait Laurent tout à l'heure, la surprise 2019, vraiment, ça a été notre copain Jimmy Murat qui a assuré vraiment tout au long de cette saison 2019. Ça a vraiment été la belle surprise. 19 points d'écart à l'arrivée avec Laurent. Et Fix, ton avis sur ce pilote. Jimmy, tu connais bien, vous avez grandi ensemble sur les pistes de l'Ouest. Ouais, Jimmy, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, toute la famille Murat. C'est vrai qu'on côtoie les circuits de l'autocross de l'Ouest depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie. En plus, on a la même machine, donc on peut s'entraîner très régulièrement. Et félicitations à lui, il a fait une très très belle saison. J'espère qu'il va pouvoir repartir en 2021. J'avais cru comprendre qu'il mettait 2020 en pause. Et je serais très ravi de batailler à nouveau avec lui. Ouais. Merci FX pour ces mots sur Jimmy. On vient de parler de l'Ouest, qu'on connaît bien. Patrick, je vais te laisser avec Laurent parler du SEAC et ça va nous permettre de revenir sur son parcours de pilote. Oui, bien sûr. Oui, effectivement. Et oui, bah, Laurent, effectivement, c'est quelqu'un que je fréquente sur les épreuves du Challenge SEAC depuis quelques années. Hein. Tu as commencé, je crois, avec une voiture. C'est ton épouse, hein, il me semble, qui t'avait offert cette belle BMW, non? J'avais entendu quelque chose comme ça. Oui, c'était l'anecdote, ça. Annabelle avait été généreuse. Elle était généreuse. Elle est toujours. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, tu as commencé en quelle année, toi, Laurent? L'autocross, hein, je parle. L'autocross, alors ben, moi, un peu comme beaucoup de pilotes, j'ai commencé en 2009 en Ufolep, une saison. Et je suis rapidement arrivé donc en 2010 en SEAC, 2010 jusqu'à 2012. Avec une 206 T3F en catégorie Tourisme Cup et on a fait l'acquisition de la BM pour la saison 2013 jusqu'à 2015 donc voilà et après 2016 le buggy. Voilà, oui, c'était la première année où tu as fait l'acquisition donc de ce châssis bien connu hein, bien sûr le châssis Alfa Racing à moteur Suzuki. Ex-Olivier Dufour, hein, quelqu'un que tu connais bien là aussi. Hein. Ah bah oui, bien sûr, on l'aurait. C'est sûr, quand on passe d'une voiture avec un moteur issu de la production automobile, une boîte à vitesse Tadev, et qu'on tombe dans un super buggy avec deux moteurs de moto, une cascade de pignons et des chaînes dans tous les sens, on se dit, mince, est-ce que j'ai pas fait une erreur en achetant ça ? Olivier m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est hyper fiable, ça marche tout le temps, tu verras. Bon, quand j'ai ramené ça à la maison, les mécanos, mon père, ils m'ont tous sorti des yeux. J'ai dit, bon, je sais pas, j'ai peut-être fait une bêtise là. Et puis non, en fait, on s'aperçoit que, bon, avec la chance, j'ai la chance d'habiter à proximité d'Olivier, qui est d'un grand secours pour moi. Mais c'est une machine qui est quand même extrêmement fiable et on n'a rien à envier aux transmissions à cardan. On s'en sort bien avec nos chaînes. J'ai quand même le souvenir hein, que pour tes débuts, tu as eu un petit peu de difficulté à t'adapter au pilotage de la machine. Hein. Les freinages, c'est on-off hein, pratiquement la conduite du châssis Alfa Racing. Hein. Oui, c'est ça. Le châssis Alfa Racing est construit de façon... différente de tous les autres, on a un système de roue libre à l'avant, ce qui fait que dès qu'on lâche l'accélérateur, on est en propulsion, en deux roues motrices, et dès qu'on accélère, on a 100% de la puissance sur les quatre roues en même temps. Donc ça veut dire qu'on a déjà beaucoup moins de frein avant, si on n'a pas placé la machine avant, c'est compliqué. Après, moi, elle sortait directement des mains d'Olivier, donc avec ses réglages à lui, qu'il la connaissait par cœur. On sait qu'il a une conduite généreuse, hein, il aime bien aller nettoyer l'extérieur de la piste.
Bon, c'était pas mon habitude avec la BM. Après, il a fallu s'adapter à la machine, s'adapter à faire nos réglages pour que ça aille de mieux en mieux. Et puis le classement au championnat, ben, si on prend les années, 9e, 6e, 4e, donc voilà, Ah ça ouais, la allait crescendo. progression était en 4 ans, voilà, tu as toujours progressé effectivement dans cette division. Alors, on le sait aussi, tu es un des grands organisateurs de Stock Car, hein, tu as une épreuve de Diémoz qui est organisée avec tes parents. D'ailleurs, je sais que tu as fait plusieurs fois l'impasse sur les épreuves par le passé, les épreuves du championnat, pour organiser justement cette manifestation. As-tu, toi, dans ton cas, déjà fait un petit peu de Stock Car? As-tu commencé par là? Et oui, bien sûr. Moi, je suis né dans le sport automobile. Alors après, c'était dans le stock car. Je suis pas né dans l'autocross, mais faut bien commencer par quelque chose. J'ai attaqué à 18 ans parce qu'on peut pas attaquer plus jeune. Mais il nous faut le permis de conduire. Donc 18 ans, quelques titres en stock car, 3 fois champion de France. Et puis après, on a attaqué en Ufolep en 2009. On a voulu évoluer. Et puis après, ben, on a fait ça. Donc voilà, on en est là pour le moment. Oui, bah écoute, c'est clair que c'était une belle progression, hein. Effectivement, début 2016, champion 2009, la progression était belle, hein, avec cette machine quand même, c'était bien. Oui, Fiabilité toujours au rendez-vous. c'est sûr que cette année, la fiabilité nous a pas fait défaut. C'est une grande force de l'Alpha Racing. C'est une machine qui a été montée par Olivier et qui me dit à chaque course, vérifie ça, oublie pas, machin. Voilà, si on n'a rien laissé au hasard cette année et à l'arrivée, ça a payé, quoi. Et oui. C'est clair qu'on a des souvenirs avec Olivier qui ont été vraiment fantastiques. C'est quelqu'un d'une générosité d'un premier abord comme ça, quand on ne le connaît pas, qui paraît un petit peu rugueux. C'est quelqu'un de vraiment charmant, vraiment gentil, vraiment généreux, hein. On a le souvenir d'ailleurs, rappelle-toi Florian, à Issoire, où il nous avait prêté sa machine. Ça s'était malheureusement très mal terminé pour notre ami Vincent Pouillat, mais c'est vrai que le geste était sympa. Le geste était sympa, c'est vrai qu'Olivier est quelqu'un au grand cœur. Je pensais que tu allais me rappeler l'anecdote de son titre de champion d'Europe 2011 avec l'engagement qu'il avait pris auprès de Véro devant le public de Saint-Denis. Et Ah ça, oui. c'était juste pour les charmer. Patrick, tu sais qu'on aime bien les formules dans l'autocross et je crois qu'on vient de parler du buggy Alpha Racing, alors construit en République tchèque, mais surtout développé et affiné par Olivier Dufour. Je crois qu'on pourrait même dire que le Sud-Est est la terre des bimoteurs Super Buggy. On aime bien les formules en autocross et parce que quand on parle du châssis Mack de FX Bivo, eh bien FX, on est aussi clairement dans le Sud-Est de la France, là-bas chez notre copain Sébastien Deleu. Ouais, c'est vrai, on est dans le sud-est de la France, près du lac d'Annecy. Moi, j'ai fait confiance à Sébastien parce que c'était un constructeur français et qui roulait aussi à l'époque où j'ai acheté la machine. Bah, depuis peu, il a arrêté maintenant, mais je voulais quelqu'un qui puisse m'accompagner et construire ses machines et avoir le propre ressenti. Et bah, d'ailleurs, merci à lui parce qu'il arrive toujours à être réactif quand on est dans la misère, on va dire. Et c'est un châssis qui me convient très bien. Sébastien est à l'écoute des évolutions que moi je souhaite apporter. Parfois, il donne son avis positif ou pas, mais c'est vrai que, étant donné qu'il a roulé en tant que pilote constructeur, pour moi, c'est un plus. On le rappelle, un pilote constructeur de la Haute-Savoie. C'est Attention, ça. il y tient. C'est ça. Les termes sont importants, effectivement. Sébastien, c'est vrai que c'est quelqu'un qui depuis qu'il ne roule plus, ben, a pris un peu plus de recul. Pour autant, les machines sont nombreuses, FX, hein, si on veut citer. Donc, il y a toi, il y a Jimmy. Je pense également à Jonathan Bonhomme, hein, qui roule sur ces machines, Jean-Michel Piquet. Enfin, il y en a énormément qui participent ou à la totalité du championnat de France ou qu'on retrouve sur des épreuves régionales. Oui, c'est ça. Il me semble qu'il y a 7 ou 8 buggy. Après, je sais qu'il travaille en étroite collaboration avec Francky Bugnaud, qui nous prépare tout ce qui est les systèmes de transmission, les ponts notamment. Mais oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est doué de ses mains. Il a une très bonne patte. Je crois qu'il a même monté cette année un deux roues motrices avec un bimoteur MT-09. Donc, c'est un châssis, je crois, qu'on va voir en CA d'ailleurs.
si je ne me trompe pas. Mais oui, il y a des châssis Mack qui sont arrivés un peu dans l'Ouest. Il y a celui de Jimmy, il y a le mien. Et ben, l'anciennement à Jonathan Bonhomme, qui a été racheté par, excusez-moi pour le nom, mais… Christophe Guégan. C'est ça, ouais, exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu ma question. Patrick, je te laisse si tu en as. Oui, oui, oui. Ben, on va parler un petit peu du parcours donc, de François-Xavier, hein, avec ben, lui aussi. Hein, donc, les débuts avec le PRM, hein, c'est, il y a quelques années, tu en avais parlé. Hein, vainqueur donc, de la Coupe de France en 2012, hein, il avait succédé à son beau-frère, hein, maintenant, notre ami Julien Prieur, on pense bien fort à lui aussi. Hein. Est-ce que tu avais roulé avec le châssis Sobiac, toi, FX? Non, je n'ai pas roulé avec le châssis Sobiac. Avec la Clio, Pierre... par contre. Oui, c'est ça, avec la Clio, ouais. Voilà, la Clio qui avait été construite par notre ami Michel Edmond, le papa de Corinne. Hein. Comme quoi, finalement, le microcosme de l'autocross, déjà avait vraiment bien, bien écarté, bien loin. C'est peut-être pas construit par Michel, mais enfin, acheté à Michel, vous. Non, ça, c'était la voiture à papa, la Clio, oui. 3, la Clio 2 T3F qui, en autocross de l'Ouest. Et tu n'avais pas roulé avec cette voiture? Du tout, non, pas du tout. Ah oui, d'accord. Vous aviez construit cette voiture? La Clio 3 qu'on avait achetée, c'est un châssis construit par Virginia Bonhomme. Ah d'accord. Tu vois, pour moi, c'est dans mon idée, c'était resté toujours avec celle de Michel Edmond. Tu avais fait combien quelques épreuves avec cette voiture juste J'avais fait de 2013 à 2016 parce qu'on a acheté le Bibi en 2017. C'est d'accord. Des super souvenirs. Je regarde tous les jours la Maxi Tourisme, hein, à chaque épreuve. C'est une catégorie que j'apprécie énormément avec les V6 Nissan qui respirait derrière, c'était quelque chose de fabuleux. Mais voilà, c'est une catégorie qui coûte extrêmement cher, qui prend énormément de temps en entretien de machine. Voilà. Et la carrosserie était partie prenante du temps entre chaque tour. Donc, c'était compliqué. C'est vrai qu'on a décidé du coup de se réorienter vers un super buggy. Mais je dis pas que j'y reviendrai pas. Mais voilà, ce qui nous a fait principalement changer, c'était la carrosserie et la boîte de vitesse qui ne fait pas du tout fiable. Patrick, si tu permets, FX, corrige-moi si je me trompe, est-ce que la première victoire en maxi-tourisme, ce n'était pas sur le circuit de Saint-Junien? C'est ça. Je garde un souvenir, je crois, de cette épreuve et d'une émotion folle dans le clan Bivaux, parce que tu étais très jeune, FX, hein, pour rouler dans une voiture maxi-tourisme, et cette première victoire était pleine de sens. Ouais, j'avais 2013, j'avais 20 ans. C'était ma deuxième course en maxi tourisme. Où là, dès le samedi matin, je fais la pole au chrono devant Jacques Gagnon, Romuald Delaunay, Nicolas Dubernet, Frédéric Poulain, tous les pilotes expérimentés de cette catégorie-là. Et j'ai maintenu le rythme tout le week-end. Il y avait même Stéphane Genet, je me rappelle. Et j'avais la première ligne, je vous avoue, je me demandais un peu ce que je faisais là à côté de Roman et de Jacques Pognot. J'arrive à sortir devant et je gagne la finale au bout de 7 tours très intenses. Mais ouais, c'était un excellent souvenir. Les garçons, on dit souvent que vous êtes tous les deux vous êtes passés par la Maxi Tourisme. On dit souvent que la Maxi Tourisme, c'est un buggy avec une carrosserie. Vrai ou faux? On vous écoute. Laurent, si tu veux nous parler de la différence entre la BM que tu as pu avoir et le Super Buggy aujourd'hui, limiter la Maxi Tourisme à dire que c'est un buggy avec une carrosserie, c'est un petit peu léger. Oui, alors après, ça reste deux machines quatre roues motrices. Pour moi, la BM était un moteur central, donc pas du tout la même conduite que le buggy. Après, ça reste très plaisant à conduire aussi bien l'un que l'autre. Mais comme l'a dit Efix tout à l'heure, sur un avis financier, c'est vrai que la Super Buggy, rapport plaisir et engagement financier, voilà, est le meilleur compromis aujourd'hui. Efix, les principales différences entre la Maxi Tourisme et la Super Buggy? Bah, je rejoins un peu Laurent. Après. Voilà, la mécanique est complètement différente. Le couple d'une Maxi Tourisme est énorme dans le V6 Nissan.
avec les moteurs de moto, on a pas du tout de couple. Donc, c'est plutôt du on-off. C'est vrai que sur le Nissan, on peut plus gérer l'accélérateur. Après, voilà, le poids aussi, parce qu'on emmène pas loin d'une tonne, alors qu'avec un Super Buggy, on est à 170 kilos. Donc, le rapport poids-puissance est différent, mais une 4 roues, quand ça part aussi. Et c'est pas déplaisant non plus. Ouais. Les garçons, pour faire plaisir aux mauvaises langues qui n'ont encore toujours pas compris l'intérêt des moteurs de moto dans les buggies, vous avez tous les deux roulé avec des moteurs issus de la production automobile de vos maxi tourismes. Pourquoi, diable, est-ce que vous n'avez pas mis ces moteurs de voiture dans vos super buggies? Voilà, si vous voulez, je commence. Moi, c'est simple. Aujourd'hui, si j'aurais dû mettre un moteur issu de la production automobile dans mon Super Buggy, clairement, j'aurais pas pu rouler. C'est ce qui m'a fait changer aussi de catégorie. Hein. Quand on est arrivé à la fin du cycle avec la BM, il a fallu investir dans un moteur. Et quand on a reçu les devis et tout, c'était clairement pas possible, quoi. Hein, pour être clair, j'ai vendu la voiture moteur cassé, j'ai remis un petit billet dedans et j'ai pu avoir le Super Buggy en état de fonctionnement, quoi. Donc voilà, le choix a été pour nous, a été vite fait, quoi. Et fixe. Ouais, c'est la même chose, c'est le même point que Laurent, c'est l'aspect financier, quoi, principalement. Votre réponse, elle est intéressante et elle permet de préciser le propos qu'on a souvent sur la Maxi Tourisme ou la Tourisme Cup. C'est que on parle souvent de la contrainte de la carrosserie. C'est vrai qu'il faut aimer faire de la fibre quand on roule dans une catégorie tourisme, mais il y a aussi l'impact des motorisations. C'est vrai que les ensembles moteurs boîtes coûtent énormément cher parce qu'on est vraiment sur de la grosse, grosse mécanique. Mais en tout cas, c'est le choix que vous avez fait aujourd'hui, la Super Buggy. La même question pour tous les deux, les garçons. Pourquoi être passé directement en Super Buggy alors que la Buggy 1600 était naissante en 2014, ce qui correspond à la période à laquelle vous êtes arrivé en Super Buggy quasiment? Ben, moi, c'était. Ça s'est fait bizarrement en fait. J'étais parti initialement, il y avait Johnny et Johnny vendait son Alpha Racing et on avait un peu tardé suite à la vente de la BM à avoir le budget. Donc on s'est pris un peu tard. J'ai appelé Johnny et il m'a dit non, il est plus en vente, on fait la modification. Suite Johnny à l'époque était un 1600. Hein. Et on fait il m'a dit donc non, on fait la modification pour le passer en Super Buggy. Maintenant, on n'aura pas le temps via Alpha Racing d'avoir un châssis neuf, donc on le garde et voilà. Et il m'a dit appelle Olivier, il vend pas, mais je pense que si tu l'appelles, tu discutes avec lui, tu vas voir, c'est un bon gars, tu devrais trouver un terrain d'entente, parce qu'à l'époque Olivier en avait deux hein, d'Alpha Racing, il avait donc celui-là et celui que j'ai aujourd'hui et celui qui lui reste. Mais il en avait deux, il est tout seul à rouler. Et je me suis pointé là-bas au garage, on a discuté, on a bu un coup, et puis ça s'est fait comme ça. On est reparti avec le Super Buggy. Rentrer à la maison avec le Super Buggy. Et fixe, toi, le passage de la Maxi Tourisme vers la Super Buggy, certainement que ton papa Philippe a dû donner son avis, j'imagine, pour ne pas faire le choix de la Buggy 1600, peut-être. Non, c'est vrai que l'année d'avant, lors de ma dernière année en Maxi Tourisme, qui avait été très compliquée, on échangeait déjà avec Sébastien d'un d'eux pour monter une machine neuve ou racheter son ancien Buggy, et donc du coup, son Buggy de l'année en cours. Et on ne s'est pas réellement posé la question 1600 ou Super Buggy. On va dire que ça s'est fait naturellement. Papa avait roulé en anciennement Détroit Libre, donc avec le Soviac. Donc il avait cette vision-là. On était plus en termes de connaissances techniques sur du Super Buggy que du 1600. Le monomoteur de moto, on maîtrisait pas excessivement bien. Les bimoteurs, c'est encore plus compliqué. Mais Sébastien Dadeleu est un génie sur ce point-là. Il connaît toutes ces machines par cœur. Et du coup, ça s'est fait un peu naturellement. Et c'est vrai que nous, l'aspect pont avant avec autobloquant avant, autobloquant arrière, nous intéressait mieux que la chaîne et la taille des pneus aussi. Donc, ça s'est fait naturellement vers le Super Buggy.
Il y a deux machines et deux stratégies différentes. Patrick, peut-être une question pour les garçons. Oui, tu me prends au dépourvu là. Alors, non, peut-être sur, on peut parler, les garçons, de ce qui fait mal, mais il faut qu'on en parle. C'est cette saison 2020 qui est largement compromise. Il reste encore aujourd'hui, à l'heure où on parle, deux épreuves inscrites au calendrier dans le cadre du championnat de France et du championnat d'Europe. Enfin, je parle de Saint-Igny et Paris. Peut-être s'exprimeront dans les heures ou dans les jours qui viendront. Laurent, ton sentiment, c'est est-ce qu'il faut y aller pour deux épreuves? Est-ce qu'il faut plutôt se dire qu'on s'arrête là pour cette année et on ira faire des week-ends de roulage sur des portes ouvertes, ou alors peut-être même soutenir des épreuves régionales qui devraient peut-être réussir à s'organiser? Écoute, moi, j'ai pas, j'organise des plus petites manifestations et je sais le mal que c'est. Voilà, donc j'ose même pas imaginer la décision que doit prendre l'organisateur d'une manche de championnat de France, de savoir s'il doit la faire, pas la faire. C'est énormément d'argent. Sûr qu'aujourd'hui, si des courses devraient avoir lieu, on ferait le maximum pour participer, parce que les organisateurs sans pilotes sont rien, mais surtout les pilotes sans organisateurs, sans bénévoles, sans les commissaires, sans tout ce qui gravite autour, et je pense qu'on ne se rend pas tous compte de tout ce qui est mis en œuvre. Voilà, donc on a besoin, tout le monde a besoin de tout le monde, et si certains organisateurs font l'effort d'organiser, que ce soit en championnat de France ou que ce soit en régional, on a pu voir un calendrier du CEAC qui s'est modifié, on fera tout notre possible pour y participer, déjà d'une, pour nous dégourdir un peu les pneus, et puis ensuite, bah, retrouver cette ambiance qu'on a à l'autocross, qu'il faut surtout pas oublier, les copains et voilà quoi. Donc on est là, nous on n'est pas prêts encore, mais dès que les calendriers seront figés, on sera prêts. Écoute, super Laurent, on sait pouvoir compter sur toi et ton équipe pour participer à ces épreuves. FX, sans révéler de secrets, qui sont peut-être des secrets de Polichinelle, au sein du bureau de l'OFAC, vous représentez les organisateurs, vous avez forcément beaucoup échangé avec les organisateurs du championnat de France qui déjà ont dû faire une croix sur leur épreuve. C'est des moments, comme le dit Laurent, qui lui aussi est organisateur d'événements, des moments de crève-cœur, parce qu'il faut faire une croix sur un an de boulot. Il faut dire à des dizaines, des centaines de bénévoles que la fête n'aura pas lieu cette année. Et pour autant, il faut réussir à les garder motivés pour leur donner rendez-vous l'année prochaine. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. On a passé énormément de temps au sein du bureau. Ça fait toujours mal au cœur en tant que pilote, que passionné d'apprendre ces nouvelles-là, mais bon, après voilà, faut que les organisateurs soient aussi sérieux et qu'on reparte de bon pied en 2021, c'est tout ce que je leur souhaite. Et puis effectivement, par rapport à ce que tu disais, s'il y a des courses, bah évidemment, je rejoins l'avis de Laurent, on répondra présent, parce que bah sans eux on n'est rien, et inversement. Donc c'est vrai que on a tous envie de rouler, on a tous envie de se dégourdir, comme disait Laurent, d'accélérer sur la pédale de droite, et on sera présent pour déjà soutenir les bénévoles, soutenir les organisateurs et aussi se faire plaisir. Patrick, tu voulais dire un mot? Oui, je crois que dans le contexte actuel, la prudence était de mise, et puis je crois que les organisateurs ont eu la sagesse de limiter les dégâts, on va dire. Effectivement, c'est à chaque fois, c'est un crève-cœur pour un organisateur d'être obligé d'annuler son épreuve. Mais d'un autre côté, faut être raisonnable. À un moment, faut se dire, est-ce que les partenaires vont nous suivre? Parce que tous les organisateurs du championnat, tous, que ce soit du championnat de France ou que ce soit même dans les challenges, ne sont rien sans leurs partenaires. Le budget d'organisation est tellement élevé que si les partenaires ne suivent pas, il est clair que c'est plus possible, on peut plus. Hein. Et puis, tout le monde le sait maintenant, c'est clair que les régions, les départements, les budgets sont c'est terminé, la vanne est complètement fermée, hein, on touche plus d'argent du côté des départements, et il est clair qu'à un moment, eh bien, vaut mieux dire stop, on arrête, hein, et puis on reste raisonnable. J'en profite également pour rappeler que notre ami Jacques Moniaud déplace son épreuve d'histoire. Il l'avance de 8 jours. Hein, faudra bien y penser à ça. Attention, on pourra aller rouler à Issoire, ça sera 8 jours plus tôt.
Voilà, et bien effectivement, on vient de parler des organisateurs. On aura l'occasion très prochainement, dans une quinzaine de jours, je pense, de faire une émission Écho du Paddock avec des organisateurs du championnat de France, puisque c'est important de leur donner la parole. Ils ne nous parleront peut-être pas des courses, mais ce sera très intéressant de pouvoir échanger avec eux sur leurs contraintes, leur succès des années passées, la relation qu'ils tissent avec les bénévoles et puis bien sûr avec l'ensemble des pilotes. Les garçons, 2020, on le sait, il n'y aura pas de championnat, enfin je m'avance peut-être, mais je ne crois pas que les épreuves qui restent nous permettront d'organiser un championnat. Je ne suis pas sûr non plus qu'il soit opportun d'en faire un, mais ce n'est que mon avis personnel. Projetons-nous sur 2021. Les garçons, quelle est la suite du programme pour vous, Laurent? Eh ben, écoute, on n'a encore rien de fixé. Normalement, en 2020, on devait repartir pas forcément sur une saison complète. Bon, c'était déjà prévu en 2019, et puis à l'issue, on a été forcé d'aller au bout. Mais non, 2021, on sera là, c'est obligé. Si 2020, on reste au garage, la machine, elle est prête. Donc 2021, on sera au rendez-vous sur une saison de championnat de France. Super, bah écoute, le rendez-vous est pris et fixe. Pareil, on va essayer de sortir déjà la machine sur quelques épreuves cette année. Je vois, il y a l'épreuve de Tournecoupe qui est a priori réellement une belle épreuve et on me parle depuis quelques temps. Donc, si elle a lieu, j'essaierai de m'y rendre. Et puis l'épreuve à Jacques Mougnot, à Issoire, pour un peu déterminer tout ça. Mais ouais, championnat 2021, on sera sur le championnat. La machine est prête, elle est sous une bâche dans l'atelier pour pas prendre la poussière, mais oui, on est prêt déjà pour 2021. Forcément, les garçons, vous connaissez mon attachement au championnat d'Europe d'autocross. Alors, FX, toi, je sais que tu es un petit peu plus loin. Il faudra attendre, je pense, que tes parents soient en retraite pour qu'ils puissent avoir le temps de transporter la structure. Laurent, toi, on connaît ta proximité géographique avec le centre de l'Europe. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu être évoqué de ton côté? Ah bah, je pense que tous les pilotes, aujourd'hui, ça serait un rêve. Bon, il y a 10 ans en arrière, on m'aurait dit que j'aurais la chance de pouvoir faire du championnat de France, et j'aurais pas cru. On m'aurait dit que j'aurais été champion de France, j'aurais encore plus rigolé. Alors, je sais pas. Aujourd'hui, je peux pas vous dire si on va pouvoir y aller ou pas. Mon rêve actuel, ça serait de faire au moins Nova Paca, parce que ça reste une épreuve mythique. Voilà, après un championnat d'Europe, si on a la chance d'avoir le budget, la machine, c'est sûr qu'on le fera. Maintenant, c'est pas au programme, mais pourquoi pas? On dit pas non. Merci Laurent. Efix, je voulais pas te couper l'herbe sous le pied, mais je ne suis pas sûr que ce soit au programme de s'engager sur une saison complète du championnat d'Europe. Non, pas du tout. C'est pas du tout au programme. Le programme, c'est vraiment déjà de se concentrer sur 2021. Après, à long terme, bah, voilà, on a des projets personnels avec Eva et on fera certainement quelques courses, quelques apparitions par là. Voilà, c'est pas du tout dans les projets. Merci FX. Patrick, mon Dieu, que le temps Oui. passe vite quand on est en bonne compagnie. Je te laisse peut-être pour la dernière question, dernière remarque. Oui, ça y est, ça m'est revenu. Excuse-moi, j'étais parti tout à l'heure un petit peu, je m'étais éparpillé. Oui, la monoplace FX, la monoplace libre que vous aviez, sauf erreur, c'était bien celle de Michel Chemin. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette machine? Est-ce que tu as su ce que c'est Ah, devenu, ce que. elle a été vendue, il me semble que nous, on l'avait vendue à un pilote du SEAC. Mais je me rappelle plus de son prénom. Non, bon, effectivement, ma question, ça sera une question à reposer, à retrouver cette machine, hein, qui, on le rappelle, avait lutté avec Teddy Baudet pour le titre de champion de France, aux mains justement donc de notre ami Michel Chemin. Voilà. C'est bien ça, ouais. Patrick, pour conclure, que dire de cette division Super Buggy, celle qu'on a appelée qu'on appelle toujours la Formule 1 de la Terre parce que ça restera une catégorie mythique. On en parle très régulièrement. La Buggy 1600 et la Super Sprint nous font rêver, mais Oui. l'essence même de Oui, l'autocross oui. continue de trouver ses racines dans la Super Buggy. Ah, mais je crois que cette division nous a mais tellement fait briller les yeux, mais tellement avec les pilotes qu'on avait il y a. Je ne dis pas que les pilotes d'aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. C'était une autre époque, mais les fabuleux moteurs qu'on a pu avoir, les fabuleuses machines qu'on avait, les fabuleuses bagarres qu'il y avait.
effectivement, la Formule Rennes est venue de là. Et puis, ben, quel plaisir encore de voir rouler, conclure les week-ends de course sur cette division où on voit que par rapport à un 1600, il y a quand même une puissance qui est plus là, c'est plus brutal, c'est plus lourd, c'est plus vivant comme spectacle. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se régale avec ces machines. Toujours, toujours. C'est effectivement de la grosse mécanique. Très rapidement, ça va être l'occasion de passer un petit coucou à notre copain de Normandie. Sans révéler de secret, les garçons, vous avez peut-être pu apercevoir quelques images, une image très rapide d'une séance de test qui s'est organisée dimanche en Normandie d'un de vos concurrents Du habituels direct. qui a pris position d'une nouvelle monture, FX et Ouais, Lola. ouais. Oui, bah je le savais déjà depuis un petit moment que Germain avait acheté le buggy à Thomas Anacleto. Bah, c'est bien, c'est de la belle mécanique. C'est vrai que moi, je rêve de pouvoir conduire ces fameux Volvo que tous les pilotes européens ont et qui dominent d'ailleurs ce championnat parce que devant les Européens, c'est tous les moteurs Volvo et je serais curieux d'essayer un jour ce type de machine parce que ça fait réellement rêver. Ouais. Laurent, l'acquisition qu'a fait Germain, c'est l'occasion de retrouver un moteur automobile au sein du championnat de France. Oui, effectivement, Germain a pu acquérir le Fast and Speed. Très belle machine qui n'avait rien à prouver hein, aux mains de Thomas et avant Florent. Donc, c'est sûr que là, il va nous donner du fil à retordre. Après, il n'est pas le seul. Je crois que Christophe Périchaud a aussi une machine neuve qui est dans le garage. On a pu voir quelques vidéos. Non, je pense que le niveau encore en 2000, bah 2021 maintenant va bien monter. On va retrouver plus de moteurs de voiture. Et bah, voilà, maintenant il va falloir essayer de cravacher avec nos moteurs de moto. Je fais un petit coucou aussi à notre ami Axel Tainier qui va venir au championnat de France. Il a monté deux moteurs VM dans son châssis Alfa Racing. Donc, ça va nous faire encore aussi un concurrent de plus avec nous la saison prochaine. Ah oui, et puis c'est vrai que si on veut citer les autres pilotes de la Super Buggy, pour en citer quelques-uns, ben Jérôme Maclouf hein, qui va devoir se refaire en 2021 parce que alors, saison 2019 a oublié pour Jérôme alors que vraiment il était en tête de liste sur le papier. Et puis la bonne surprise hein, de cette saison, et je lui passe un petit message, c'est Geoffrey Lejeune hein, qui a été très doué. Et puis je lui, petit message perso, j'aurai l'occasion de goûter ce que tu m'as livré ce week-end juste après. L'émission, voilà. Les pilotes de la Super Buggy, il y a du beau monde, il y a encore du beau monde qui vient et c'est une catégorie qui continue de nous faire rêver. Et moi, j'ai une dernière question pour les garçons. Patrick, tu pourras intervenir ensuite. La dernière question, c'est l'occasion de saluer nos copains organisateurs. Donc, elle est de savoir quel est votre circuit ou vos circuits préférés et qu'est-ce qui en fait la spécificité. Laurent. Je commence, bah moi, Saint-Igny. Saint-Igny, c'est une piste mythique pour nous, entre les rails, avec la dénivelée, et surtout au milieu des pilotes européens. Non, le départ avec ce premier virage qui est très sélectif, et après le tracé plein d'enchaînements. Non, le type de circuit Saint-Igny, Elne, c'est des circuits, des tracés que j'apprécie assez bien. Ok, super. FX? Moi, j'en ai plusieurs comme ça qui me viennent un peu à l'esprit. J'ai Mauron parce que déjà c'est pas très loin aussi. Puis la terre est vraiment top pour pouvoir faire les extérieurs là-bas. Après, j'ai Saint-Julien qui m'a toujours très bien réussi. Et j'ai les deux épreuves européennes, Saint-Georges-de-Montaigu et Saint-Igny-de-Vert, mais avec un petit plus pour Saint-Igny-de-Vert qui est vraiment une piste, comme disait Laurent, très atypique avec du dénivelé. De la poudreuse et là vraiment les moteurs moto sont plein régime et c'est vraiment kiffant et petite piste régionale c'est Belleville-sur-Lys. Je voudrais, Florian, si tu le permets, soulever quand même le paradoxe. Hein. FX apprécie la terre de Mauron et apprécie la piste de Saint-Junien. On va dire un revêtement, mais alors on ne peut pas avoir plus à l'opposé. Hein. On est sur deux revêtements différents, effectivement, et fixes. Hein. Ouais, c'est vrai. Après,
C'est vrai que la parabolique de Saint-Julien, la remontée avec le petit saut est vraiment très bien. Les moteurs sont plein régime. Après, le circuit est technique. Le raccordement en bitume est extrêmement compliqué. Donc, c'est un circuit qui est à la fois rapide et technique. Et j'aime bien ça. Et c'est vrai que le revêtement est différent, mais le circuit m'a toujours réussi. Donc, je l'aime bien, ouais. On va dire que peut-être le petit défaut qu'il pourrait y avoir, c'est peut-être le manque de place pour pouvoir doubler sur l'épreuve de Saint-Julien. Ouais, après il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de doubler. Hein. Au raccordement, je te promets, on a vu les bons pilotes, hein, ils étaient là, ils étaient au rendez-vous. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Allez, Florian. Patrick, pour conclure, je crois que les garçons qu'on a eus ce soir, eh bien, sont l'essence même de cette division Super Buggy, des parcours atypiques, différents, mais qui finissent dans cette catégorie reine et qui nous régalent. On est en train de clôturer l'émission qui aura été la plus longue de cette série des Échos du Paddock. On est en bonne compagnie avec les garçons de la Super Buggy. J'adore toutes les catégories de ce championnat et de cette Coupe de France. La Buggy 1600 et la Super Sprint me font rêver, mais vraiment la Super Buggy, je ne vois pas rester à l'écart parce qu'elle fait vraiment partie de ces catégories qui affolent les compteurs et qui nous permettent de clôturer ces week-ends de championnat de France tel un feu d'artifice. Merci Patrick, en tout cas, de m'avoir accompagné sur cette émission, cette 10e émission. Merci Laurent pour d'avoir accepté. Félicitations encore pour ton titre. FX, merci de nous avoir rejoints aussi sur cette émission. Patrick, tu veux prendre la parole pour un dernier mot? Oui, excuse-moi Florian, je crois qu'on ne mesure pas bien la chance que nous avons tous de côtoyer ces pilotes. Il faut avoir une saison comme 2020 où ça nous manque, où là, on s'aperçoit un petit peu quand même que ben, aller sur les épreuves, rencontrer ces garçons, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qui va nous rester longtemps comme ça dans nos mémoires. Bravo les gars, continuez comme ça. Eh ben, pour ne rien vous cacher, Geoffrey et Laurence Lejeune étaient en Vendée ce week-end et on a pu passer le week-end ensemble et c'est vrai que c'est un moment aussi très agréable de pouvoir faire connaissance en dehors des paddocks et prendre le temps de discuter comme on le fait ce soir ou comme on peut le faire lors de nos soirées dans les paddocks. Merci vraiment les garçons. Merci Patrick pour d'avoir co-animé cette émission avec moi. Je remercie bien sûr Didier Rodrigue et la société Mastermast pour la mise à disposition des moyens techniques. Merci à David L'Héritier à Block Design pour l'affiche de l'annonce de notre émission. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour la dernière émission sur les catégories. Il nous reste encore la Maxi Sprint, effectivement, puisque la toute première émission, on avait deux pilotes issus de la Maxi Sprint, mais c'était une émission sur la communication des garçons sur les réseaux sociaux. Donc là, on aura eh bien deux garçons, dont le vainqueur de la Coupe de France, qui sera avec nous lundi prochain. Et puis après, on va attaquer une nouvelle série où on va donner un peu la parole aux organisateurs, aux acteurs du sport automobile en France et de l'autocross et du sprint car. N'oubliez pas de liker la page YouTube OFAC TV. Demain matin, le replay sur la page FFSA TV. Excellente soirée à tous. Portez-vous bien. Salut.